Tous les hommes que tu as connus, tu disais qu'ils ne voulaient plus donner les cartes prises comme dans un piège. C'est dur de retenir la main d'un homme qui cherche plus loin, qui veut atteindre le ciel ou se livrer, qui veut atteindre le ciel ou se livrer. Puis ramassant les cartes qui semblent rester là sur la table, tu sais qu'il t'a laissé très peu, pas même sans rire, comme tous les joueurs, ils cherchaient la carte qui est si délirante qu'il n'aura plus jamais besoin d'une autre, qu'il n'aura plus jamais besoin. Un jour, penché à ta fenêtre, il te dira qu'il veut renaître au monde, que ta tendresse lui cache, et sortant de son portefeuille, un vieil horaire de train dit: je t'avais prévenu, je suis étrange. Je t'avais prévenu, je suis étrange. Maintenant un autre étrange, et sans vouloir que tu ignores ses rêves, comme s'ils étaient le fardeau de quelqu'un d'autre, tu as vu cet homme déjà donné les cartes avec son bras en or, mais maintenant tu vois sa main est figée. Oui, maintenant tu vois sa main est figée. Mais tu n'aimes pas regarder un autre homme fatigué déposer toutes ses cartes comme une défaite, tandis qu'il rêve jusqu'au sommeil dans l'ombre, tu vois, comme une fumée, une route qui monte derrière sa tête. D'entrer et de s'asseoir, mais en te retournant, tu vois que la porte de ta chambre reste ouverte, et quand tu prends sa main, dit: n'aie pas peur, ma tendre, ce n'est plus moi. J'ai attendu, toujours certain de te revoir entre les trains. Bientôt il va falloir en prendre un autre.
je n'ai jamais eu, tu sais, pas le moindre plan secret, ni personne pour me conduire, personne. D'accord.